Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau jeu du nom de Fichao. C'est un jeu sur internet, donc vous tapez, donc c'est un jeu en ligne. Donc voilà, c'est un nouveau jeu que j'ai découvert hier. Aujourd'hui on est samedi, je crois qu'on est le 5, le 6. Samedi 6 décembre 2014, donc c'était hier, je l'ai découvert, vendredi 5 décembre. Le jeu, il est vraiment super bien, donc vous faites vivre votre vie tranquillement. Et vous êtes un pêcheur, donc votre grand-père est mort, et il vous a transmis, il était un grand pêcheur, et il vous a transmis sa passion de pêcher. Et donc après, vous aurez des missions à accomplir et tout ça. Donc on va changer, donc je vais présenter la map. Donc voilà, attends, on va zoomer un peu. Ouais, c'est bon comme ça. Là, c'est la base que je vais vous montrer dès que vous commencez le jeu, là où vous êtes. Excusez-moi pour les doigts. Dès que vous commencez, c'est le jeu s'affiche comme ça. Donc le chargement, des fois, il est un peu long, mais ça va, c'est pas genre une heure et tout ça, mais non. Donc après, si essayez le jeu, s'il vous plaît, on pourra devenir amis. Et voilà, moi, mon personnage, il est là, je vais vous zoomer pour vous. Voilà, il est comme ça, mon personnage. Vous pouvez être personnalisé, vous pouvez avoir des costumes. Et donc ça dépend des niveaux en fait. Donc voilà. Pour le trouver plus facilement, allez sur snokido.fr. C'est un site que j'adore. Donc voilà. On va aller donc au tout premier endroit. C'est difficile de jouer et de filmer en même temps. Mais je vais le retrouver. Ah oui, je vois. Il faut que j'aille au pont. Il est où? Ah, il est de l'autre côté. Ah, voilà le pont. On va aller donc chez moi. Je vais présenter chez moi. Donc je le répète, c'est un jeu en ligne. C'est pas compliqué à jouer, hein, donc je suis niveau 7. Et puis il a vraiment des particularités super bien. Je crois qu'on y est déjà. Ouais. Excusez-moi, ça a bougé un peu. Voilà. Donc on a tous la même maison, sauf quand on rentre dedans, bah, ça n'affiche pas la même chose. Donc voilà. Sinon, quand on devient ami, donc c'est la maison à côté. Friend, et donc ça vous affiche. Donc je vais vous montrer. Ça vous affiche les amis que vous avez. Donc moi j'ai tout ça comme ami. On va zoomer un peu. Voilà. Donc mon tout premier ami c'est Luffy Duke. Après bon et puis ainsi de suite. Hein. Et mon dernier ami c'est Souris 124. Donc après là vous pouvez les visiter. Par exemple si je visite mon meilleur ami dans ce jeu pour l'instant c'est Kryaker. Après, il a commencé le jeu hier comme moi. Donc, c'est un peu logique quand on soit bien ami et tout ça. Donc voilà, voici chez lui. Donc, c'est pas. Chez moi, c'est presque pareil, sauf juste qu'il y a une chaise. C'est pas extravagant. Parce qu'après, c'est compliqué de décorer sa maison parce que ça coûte cher. Donc voilà. On va visiter chez moi. Vous voyez, tout le monde sort de la même maison, mais ça n'affiche pas la même partie en fait, la même décoration, vu que c'est par compte. Donc, moi, voici chez moi, donc comme je vous le disais, il n'y a rien. Et donc, on a la maison, l'intérieur de la maison. On peut avoir des lits et tout ça, mais bon, j'ai commencé hier en même temps, j'ai rien. Et après, on a le jardin.
Donc, il y a celui-là qui est censé vous donner des. Attendez, on va zoomer sur lui. Donc, moi je m'appelle Natsu25. On pourra toutefois devenir ami si vous aimez le jeu. Donc, voilà. Donc, c'est bonjour Natsu25. Veux-tu que j'élève une nouvelle espèce de poisson? Si je mets oui, après il faudra que j'achète, je crois. Ouais, c'est ça. Il faut que j'achète des types de poissons. Eh ben non, je veux pas. Parce que j'ai même pas assez d'argent déjà. Et c'est chaud donc. Voilà. Et donc vous avez une rivière. Ah mince. Et donc vous avez une rivière. Et si vous le laissez donner des poissons et tout ça, vous pourrez pêcher dans votre propre rivière. Donc je vais vous faire une partie de pêche. Ou plutôt je vais vous montrer mon inventaire. Enfin mon fish stock. C'est-à-dire la liste de poissons que j'ai attrapés. J'ai attrapé un black accra. Donc le plus gros, je crois que c'est 36, 34. Le record du monde, c'est 34 cm de ce poisson-là. Et moi, mon record, c'est 10 cm. Ouais, il y a une grande différence, oui. Après, j'ai le black à fin perlifi. Je suis vraiment pas bon en poisson. Le poisson, je le connais pas trop. Il est pas très beau, je n'aime pas. Après, il était 4 cm. C'est mon plus gros poisson. C'est le plus gros que j'ai attrapé. Donc là, vous avez toute une liste de poissons attrapés. Il y a même le poisson arc-en-ciel. Que là, c'est le Cichidé. Comme poisson, donc la taille moyenne, c'est 12 cm. Mon plus gros, c'est 16. Et le record du monde, c'est 17. Oh, ça va, je suis pas loin. Là, je pourrais peut-être le battre, même. Donc après, j'ai attrapé pas mal de poissons. J'ai une perche à grande bouche. Pas mal, il est pas mal, il est vraiment beau. La taille moyenne c'est 41 cm, mon plus gros c'est 63 cm et le record je mange 74. Donc là j'ai piranha. Le plus gros que j'ai attrapé c'est 30 cm, le record du monde c'est 69 cm. Voilà, après vous avez un bloc-notes pour dire ce que vous avez écrit. Voici mon plus gros poisson, le piranha, il mesure 30 cm. Voilà, après vous dites, vous parlez de votre vie et tout ça. J'ai un poisson ange royal, il est stylé, je l'adore, c'est mon poisson préféré. Pas côté manger, hein, mais juste côté beauté et tout ça. Il est vraiment très beau, je trouve. Donc voilà, je crois que j'en ai d'autres, je sais pas, ouais. J'ai un poisson blanc, poisson bleu à rayures, il est stylé. J'ai un poisson clown même. C'est comme Nemo quoi, poisson corail. J'aime pas trop, mais c'est un poisson. Poisson à tronc lisse, il est vraiment dégueulasse. Enfin, personnellement, j'aime pas. Il est pas beau. Donc, il y a la sardinelle, bon, poisson classique. Sergent majeur. Et je crois que c'est fini. Ah si, ah non. J'ai une truite. Salmo. Et puis voilà, je crois que j'ai fini. J'ai fait le tour de tous les poissons que j'ai attrapés. Donc ceci depuis hier. J'adore ce jeu, je suis vraiment tech et fan. Et c'est pas comme si il existait hier. Hein. Donc voilà, c'est une présentation de mon fidoc, mon inventaire donc. Il y a les cannes donc. La grosse canne, elle a des essais et quand vous commencez le jeu, vous avez celle-ci. Donc c'est la canne en bambou, la classique. Et plus vous avez de meilleures cannes, plus vous attrapez de plus gros poissons en fait. Donc celui-là, il peut attraper sa capacité jusqu'à 100 cm. Après, vous avez aussi la ligne de... Bon, après, je vous montrerai ça. Puis les appâts, tout ça. Donc j'ai tout ça comme appât. C'est le classique, c'est celui que vous avez tout début. Il n'y a pas de limite. Celui-là, vous pourrez toutefois en rajouter en allant au Lac Town chez Jamie. Sinon, vous aurez une quête dessus, donc une mission. Puis vous saurez là où c'est. Donc voilà, ça c'est les poissons que j'ai. Décoration, j'ai que ça. Puis ça c'est les positions de chance pour attraper les. Pour avoir plus de chances d'attraper de poissons. Coquillages, ça je sais même pas ce que c'est. Ah oui, ça c'est mon permis de pêche. Ça c'est les radars pour vous dire là où on pourrait attraper de meilleurs poissons. Donc voilà. Voici ce que j'ai dans mon inventaire. On va sortir de là. Bon, allez.
Donc vous pouvez discuter avec les gens, par exemple, vous appuyez sur entrée, vous discutez. Vous appuyez sur entrée, vous parlez avec les gens. Donc voilà. Et là, c'est pour parler à vos amis en ligne. C'est-à-dire, ils ne sont pas obligés d'être près de vous pour parler. Donc moi, j'ai parlé vraiment avec beaucoup de personnes. Donc voilà. Donc voilà. Non, je sors d'ici. On va dehors un peu prendre de l'air. Donc voilà, juste pour pêcher, c'est super simple. Vous cliquez, puis voilà, vous indiquez la zone à pêcher. Ah, je crois que ça, c'est un ami, je suis pas sûr. On va voir. Ah non, même pas. Enfin, je sais pas, je les connais pas tous, mes amis. Après, ils sont tous sympas dans le jeu, hein. De toute façon, s'ils sont bruts, vous pouvez signaler. Pour pêcher, par exemple, vous avez une zone. Par exemple, ça dépend de la canne à pêche. La canne à pêche, je vous indique la zone la plus grande dans laquelle vous pouvez pêcher. Si je vais là, je peux pas, je pense. Là, je peux pas. Là, oui. Donc, j'ai un conseil pour vous. Quand il y a des vagues d'eau ou des bulles, mettez votre canne à pêche à l'intérieur, vous aurez beaucoup de chances d'attraper des poissons. Donc voilà. Donc par exemple, cliquez pour mettre, voilà, pour pêcher. Donc c'est pas sûr que vous attrapez le poisson, il y a un temps limité. Ah, j'ai une touche. Bon, normalement c'est vert, non, mais là ça s'affiche en bleu. Ah yes, il était simple ce poisson, donc j'ai attrapé. Un cliché idée attrapé, donc 11 cm. Et puis voilà. Donc je vais vous montrer la liste des missions. Donc ça, c'est l'émission. C'est le copain, c'est un peu votre cousin. C'est le copain à votre grand-père. Donc voilà. Il vous donne des missions à chaque fois que vous en finissez une. Voilà, j'ai une mission que je ne peux pas accomplir parce qu'il faut être niveau 10. Je suis niveau 7. Donc ça, c'est des collections. Je sais pas ce que c'est. Je le découvre. Ah, donc c'est les collections de poissons et des récompenses. Donc voilà. C'est les récompenses qu'on pourrait avoir, je pense, quand on aura attrapé tous ces poissons. Donc celle-ci, il me manque ça. Puis j'aurai fini. Donc ça, c'est tous les poissons de Rio Tropical, de la Gruton, et puis ainsi de suite. Voilà. Et là, c'est les quêtes journalières. Donc c'est un peu comme des missions, et puis voilà. Il vous donne des types de poissons à attraper. Et puis voilà, je pense que vous avez des cadeaux. Voilà. Donc c'est sur PC. Et puis voilà, bon, je vais faire visiter les zones dont je peux accéder. Et puis ce sera la fin de cette vidéo. Donc là, je peux pas aller. Mystérique désert. Mystique désert. Donc là, c'est Pereira Beach. Là, c'est Cool Mountain. Là, c'est bon, Rio Tropical. Là, c'est Lake Town. Et puis voilà. Donc là, c'est Akayama. Ah, excusez-moi si la caméra a bougé. C'est Berry City. Et là, c'est Tobani Town. Voilà. Donc les trois premières zones dont j'ai accès, vous les avez tous au début du jeu. Il n'y a pas besoin de les débloquer. Je suis pas sûr. Donc là c'est Pyrénées. Je sais pas, j'y arrive pas. Pas grave. Salut les gens.